Je préfère association Domindar. Wow. Parce que l'association, la binga xamanteni dafa tambalé festival. Après, wara dugg ci ay volet social, dugg ci yenen volet yi. Volet yu beure la dal, mais manam tambalé bi lañ nek ni. Lima ci gëna bëgg wax moy Domindar yi il est temps ñu dajalo, lool mo ñu gëna yëkëti. Amul way kat comme nim la ko waxon beulé passé. Amul teug kat amul sportif kep ki se sent domou ndar rek kokou mo nek ci association bi pour ñu jël suñu développement région en main lool mo ñu gëna taxajuk ku nek fo gëna foré nga indi waaw dajalé ñi nga xamanteni am nañu doolé ak ñi amul doolé ñu am ay réflexion yi nga xamanteni de un dañuy sét nan lañuy développer suñu dëkk sans pour autant ñu dépendre ci kenn ci benen affaire ci ñenen ñun d'abord kuñ ci fekk si nga fekk suñu donc lolu moy Domindar quoi tambali na nak amna ñu bëre ñi ngi liggéey ci souf ñun ño taxaw ni mais ñi feñul ño ëpp waaw donc man sama wax du ci bëre damaay bayyi way ga momit teunk leneen li après ñu jox Ousmane comme ko moy suñu chargé en communication luñu faté yow mom jinné la quoi mu wax ko ñagas waxé c'est la même chose concept bi c'est juste que ni moy li mo waxone sank ci conférence de presse bi ni juddou ba légui on a vu que ni ci ben côté ndar changé wul c'est les mêmes têtes le même comportement la même mentalité té yalla def na ni génn nañu gis nañu yenen dëkk yi ñu développer yenen ville yi ñu développer et ci développement bobu ñom solidarité moko waral chacun de son domaine moy domaine bi boy compétir maçon bék tolier bék ak lu mënti doon domaine bu mënti doon rek am nga lo xamné war nga ko mëna apporter ta propre région sans autant que ñu xaar nit yu ñu ko défal et je pense que ni li gëna noble moy lan nga défar sa dëkk défar sa environnement parce que boko défaré mu sain yow ya ci dëkk keneen du joggé ci all bi di lako défaral té ñun ci dëkk bi doon dëkk malgré né yalla bi ñu nañu kay né dañu génn pour dem wuti ji mais tôt ou tard fi lañuy retourner bëgg na ñu buñu fa retourner wu suñu doom yi fekk fi lo xamné lu positif lo xamné duñu ñé kenn parce que tay ji j'ai vu que ni lu doomu ndar di soxla il est obligé jël autom dem ba Dakar di wuti ko et yalla xamna ni ñun biñu commencé man ak ñagas on a recensé ci ñun am connaissance bi ni ñun dañu jaxlé sax dañ ni est-ce que Dakar 90% de la population est-ce que dañu ay Saint-Louisien après ça nous a un peu dépassé parce que bo nekul sur le terrain mëno ko xam mais ñun biñu nekké sur le terrain nek Dakar j'ai fait 15 jours avec ñagas ñuy daw di gauche dem di wuti ay soutien dem gauche droite ci ñu xam ni ndegate bof ñi nga xam ni yalla may na len deug ci dëkk bi ay Saint-Louisien lañu légi nak ñun c'est un petit cri de cœur bo xamni xeyna ñeneen tamit ñing ko denc sen xol mais ñun comme que on est devant tout temps la scène par rapport la télé par rapport métier bi nga xamni mo nek suñu yaram mo xamni mom lañuy pratiquer bof c'était toujours faire une appel à tous les Saint-Louisiens yi nga xamni ñi ngi nek ci diaspora nek ci Dakar nek fu ñu mënti doon ta xamni yalla vraiment may na len ñu ñew vraiment ñew jappalé la jeunesse Saint-Louisienne il en a besoin xam nga nit mëno nek ci ay mbedd waxu tali waxu gis ci mbedd nañ doxé rendez-vous non c'est pas ça c'est toujours un lancement le ni mais li nga xam dañ koy taxawal moy on aura un siège bo xamni képp ku doomu ndar bo amé ce petit cri de cœur ak message boy jall bu positif lañ wax lu nga xam day défar dëkk bi dañ lay déglu par rapport ak saway bi nga xamni mo yoré côté communication dina ko jallé par rapport la site ci lañuy joxé Saint-Louis bu fi ñew tamine rër xamo fay tek sa tank bo ñewé ci ñun dañ la fi la lo soxla dañ la pousser dañ la mère nga soxla appuyé mère nga ni and ak yow ba fofu jappal la ci côté document yépp bañ kenn ñu ñaaj la fi parce que la plupart des gens peut-être ñew non fi mbëkkantel fi ñoo xamni moy lolu et jël nañ fi expérience bo xamni bëggu ñu sax tek sen tank Saint-Louis yoy yep nak ci volé yoy yep lañu bëgg organiser té sorte ka nit ki mën nga nek sax kring koro nga nek Saint-Louisien nga adhéré wu ak Domindar boba dina la mëna jappalé ci domaine bi nga bëgg xam nga mën nga nek Europe wala lén soxla ay terrain soxla hectare wala nangam le temps dula permettre nga ñëw def tous les démarches une fois que nga contacter ñun mënon démal la terrain waxal la tous les renseignements waxal ni bo ñëwé presque li ngay def presque ay 10% ngay def par rapport ton travail bi nga bëggon def volé yoy yep mi ngi ci ak tamine côté social daan xol suñu moyen bu nu ko mayee ak ni taxawal bu juma tojee pikin
nous avons des moyens, francs, 100 francs, tout Saint-Louisien. Nous avons 10 millions de francs. Nous hôpital aujourd'hui, ambulance, nous avons téléthon par rapport à 100 francs, 100 francs, 100 francs. Nous avons 10 millions de francs. Nous avons ambulance, nous avons ambulance, nous avons hôpital. Nous Saint-Louisien, nous avons parce que nous avons 100 francs, tu te sens que nous avons des. Je pense que c'est noble. Ce n'est pas que nous avons un milliardaire ou un imposé. On ne dépose personne. Li ni def moy lan sa doomu dar bu nek centre ak sa moyen fu mu tollu nga ñew japp ci doomu dar bi bu ñu gisee benen idée bu gëna fort doomu dar bi on va écarter doomu dar ñew ci ki bobu mais dal ñun dal li ni ñaan moy xarabu ñu kenn forcé wu ñu kenn dañuy ñaan rek ñu ñëpp doomu ndar yi ñu dajalo ñew ku yalla may daraja ñew investir ndar pour son rakki au moins bu ñu yew am fu ñu xeyé am fu ñu liggéey parce qu'on se dit la vérité. Il n'y a pas de journée sans 1000 francs. Il n'y a pas. Et ça, c'est grave pour une ville comme Saint-Louis. Il y a des GDS qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus. Ils sont venus. Dans les conditions, vraiment, en Europe, si tu travailles, une heure de temps, on te paye 8 euros. 8 euros, on te paye ça par une heure de temps. Ici, tu travailles 2500 euros pour toute une journée. Ça veut dire que ça c'est une exploitation bo xamni ñun mënuñu ko concevoir mais c'est pas nous de le parler, c'est pas nous di joxe ay loi, c'est toujours ce que acte yoyu maire bi tay ji mënuñu ko gérer jël doomu ndar yi di liggéey lo parce que gëm leen liggéey ci liggéey nga mëna tékké parce que ñun tay ji ñi ngi génn ay jaamul yalla ñoo ñu jël par rapport le football di ñu fay ay millions parce que lutax parce que ñom lolu ñu gëm bon nak ñun yoyu yëpp nak volé yoyu la ñu gis ni nga xamni nekku fi ñun ni nak qu'est-ce qu'on va faire pour Saint-Louis. Parce que Niaga Niagas de représente Saint-Louis partout dans le monde. Moi, je représente Saint-Louis dans le partout du monde. Moi, il a rien, mais de manière, là, on défend son truc. On n'a rien fait pour notre ville. C'était un moment aujourd'hui, nous n'y avons ni crème, ni crème, ni gis, ni nous avons ni au niveau de la télé, nous avons d'ailleurs sur nos bobs, des belles réflexions. Quoi, là, nous avons apporté sur nos villes. Mais réflexion et règle, nous avons pour apporter quelque chose à notre propre ville. Pour nous gis, nous, on est sur le terrain, on est là pour eux. Nous avons des actions, des moyens, des contacts, des connaissances dans le DEF pour indiquer une population de l'aide à loi. Santé à la question dont, à laquelle je vais répondre, ça concerne le fait qu'on a porté notre choix sur Goldberg en tant que parrain. Et je crois que ici à Saint-Louis, il n'y a pas de personnalité qui mérite plus, n'est-ce pas, d'avoir ce privilège d'être le parrain du premier festival, n'est-ce pas, régional de Dominar. Que M. Goldberg Diagne, pour la seule et simple raison que nous avons grandi en le voyant dans le secteur de l'art et de la culture, mais par ailleurs un homme extrêmement engagé citoyennement dans la ville, dans beaucoup d'associations et d'organisations, vous-même vous pouvez en témoigner, vous avez couvert beaucoup d'activités où M. Goldberg Diagne a tout le temps renouvelé son engagement, n'est-ce pas, et sa détermination à servir la ville de Saint-Louis. Donc on s'est dit que comme nous Dominar Association, nous sommes venus pour apporter une valeur ajoutée, un plus par rapport à ce qui se faisait ici, n'est-ce pas, en assurant ce qu'on appelle une convergence de tous les talents, n'est-ce pas, et de tous les secteurs de la ville de Saint-Louis, que ce soit les musiciens, les peintres, n'est-ce pas, les maçons, les hommes de métier, tout confondu dans l'association avec une seule objectif, avec un seul objectif, autant pour moi, une seule finalité. C'est en réalité de promouvoir, n'est-ce pas, la ville de Saint-Louis d'abord, ensuite essayer de mobiliser les esprits parmi les meilleurs esprits de la ville, parmi ceux qui sont les mieux positionnés, les mieux placés, mais aussi en bref les ressources humaines de la ville, ceux qui sont éparpillés, ceux qui sont dans la diaspora et un peu partout, pour essayer de capitaliser tout ça et servir la ville de Saint-Louis, faire de Saint-Louis une ville vraiment rayonnante. Donc ça c'est l'objectif en réalité de l'association Dominar. Et je pense que le programme tel qu'il a été décliné ce matin lors de la conférence de presse en dit beaucoup plus loin. Et c'est dans cette perspective-là que nous marchons. Nous sommes des natifs de Saint-Louis, n'est-ce pas, originaires de Saint-Louis qui aimons la ville de Saint-Louis.
et qu'à partir de, à un moment donné, nous nous sommes dit qu'il va falloir que nous, n'est-ce pas, les ressortissants, les jeunes de Saint-Louis, que nous prenons certaines initiatives, n'est-ce pas, à la dimension de cette ville. Parce qu'on voit que cette ville-là a un capital culturel fort, n'est-ce pas? Cette ville-là est une ville très convoitée. Était, parce que je n'ose pas dire que c'est toujours une ville très convoitée, pour, si on sait que le niveau du tourisme et beaucoup de choses ont carrément basculé, n'est-ce pas, compte tenu de la gestion de Saint-Louis, n'est-ce pas, et tout. Donc nous, la population de Saint-Louis, nous devons aujourd'hui nous inscrire dans la logique de nous dire qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour notre ville. Et arrêter, n'est-ce pas, de toujours compter sur les politiciens ou les municipaux, les gens qui nous font que des promesses. Donc en fait, l'idée de Luomenda, c'est ça. On est venu non pas pour opérer une révolution, parce que bon, révolution, ça serait très brutal, mais quand même, on est là pour essayer de voir comment, n'est-ce pas, par rapport aux moyens que nous détenons, par rapport aux compétences, par rapport aux connaissances que nous avons et tout, comment est-ce que nous pouvons mettre en place un programme qui puisse permettre à Saint-Louis vraiment de retrouver sa lustre d'antan, mais aussi de s'inscrire dans la mondialisation aujourd'hui avec l'essor, n'est-ce pas, de nouveaux marchés, de nouvelles entreprises, n'est-ce pas, du travail, etc. Donc c'est dans ces dynamiques que nous travaillons. Ñi nga daan jangono la alcorane ak école ngay nekkono ak ñom di ñew ci dëkk bi lo am kay bokk ak ñom ma j'ai un ami ministre d'état je vais taire son nom par respect il est milliardaire ceux qui sont proches de moi les chefs d'ami ñi xam nañ que hafiz alcorane diplôme luy bout instruction am nak ci vient à Saint-Louis bu garé autom kërëm dugg sang ni jabar ji ma ngi ñew su dikkee bu ma ne hé ma ne kii boo dee fóon nii appalal daf may sàgga day